Direction Port-Gentil, 24 ans après son implantation au Gabon, la société pétrolière Perenco se dote des nouveaux sièges. L'édifice a été inauguré hier par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Le point avec Elda Nelly Koumba et Bartel Bois. À l'aéroport, Ali Bongo Ondimba reçoit les honneurs militaires avant de saluer les populations venues lui témoigner leur reconnaissance suite aux nombreux chantiers de développement engrangés dans le Boué maritime. Au lieu de la cérémonie, plusieurs intervenants. Le maire qui souhaite la bienvenue aux autorités et se félicite de cette infrastructure qui vient contribuer à l'embellissement de la commune. Notre cité salue cette nouvelle réalisation, tant les avantages qui en découlent au plan socio-économique sont nombreux. De même qu'elle se félicite de l'apport de cet édifice moderne en termes de valeur ajoutée dans l'embellissement de la ville. Ce point constitue un axe important du plan de développement communal en adéquation avec le plan stratégique Gabon émergent. Puis les responsables de Perenco qui présentent l'important investissement situé dans le domaine économique. Le siège que nous inaugurons ce jour est la preuve tangible de l'investissement du groupe Perenco au Gabon. Cet investissement, réalisé en étroite collaboration avec le gouvernement, s'inscrit pour le long terme et participe à l'essor économique et social du Gabon. Cet ouvrage, résolument moderne, contribuera sans nul doute à embellir encore plus la ville de Port-Gentil, poumon de l'économie gabonaise. Il témoigne de l'attachement de Perenco au développement du Gabon et à l'expertise nationale, ayant privilégié la technicité des entreprises locales en collaboration avec notre architecte. Et le ministre du Pétrole a loué le partenariat public-privé et félicité la société Perenco de par cette structure qui entre dans la politique de diversification de l'économie. La société Perenco s'inscrit dans la durée, si ce n'est dans la pérennité. Gage supplémentaire de la matérialisation effective de sa confiance en notre pays et à la politique que vous menez à la tête de notre pays, le Gabon. Il faut dire que le nouveau siège de Perenco Gabon est non seulement une structure qui vient mettre en valeur la confiance entre le Gabon et cette société, mais aussi vient montrer l'ambition de cette compagnie pétrolière Perenco de demeurer au Gabon.